Bonjour! Salut Antoine! Ouais, non, en fait, bonjour, c'était pour vous. Salut à tous, c'est Manu, comment ça va? Bien, très bien. Désolé, ça faisait un petit moment que j'avais pas pu jouer, hein, 2 semaines. Oui, 2 semaines, sans pouvoir jouer au jeu. Ouais, je sais ce que tu me veux, ma boîte aux lettres en carton, je l'ouvre. Alors, enfin, la deuxième vidéo, sur la deuxième cartouche. Alors, je sais pas, je suis en train de me poser la question, est-ce que je les renomme? C'est-à-dire que je fais épisode 1, épisode 2, même si c'est pas vraiment, vraiment des épisodes. Qui c'est qui m'a envoyé ça? D'un inconnu. Félicitations pour ton nouveau poste, à vrai dire, il devrait me revenir. Mais j'ai dû refuser pour raison personnelle. Ah oui, Tortimer. Ouais, c'est ça, Tortimer. Ok, très bien. Oh, une mauvaise herbe. Très bien, très bien. Il fait jour, c'est cool. On va enfin pouvoir faire des choses. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, on s'est fait troller. Mais alors, sévère. J'ai rien pu faire, du coup. Alors, Nintendo m'a donné des cadeaux. Donc, on va tout de suite les mettre dans la maison. Parce que forcément, j'ai rien dans mon truc. Donc, on va les mettre tout de suite. Alors, j'ai un petit peu retenu tout ce que vous m'avez dit. Franchement, je suis content que ça vous plaise autant. Ça me fait super plaisir. Et, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah bah d'accord, ça c'était un piège. Oui, donc du coup, je vais essayer de faire durer les vidéos, ouais, 10-15 minutes, je vais voir. Le montage, je vais essayer de faire un peu comme les vidéos d'habitude, mais moins, parce que si ça doit faire 15 minutes, c'est assez long. Tiens, un nouvel habitant, qui c'est? Chavrina. J'aurais, ça aurait été Rénal, mais je serais parti, mais j'aurais couru, je serais... Vous m'aurez même plus revu, je serais parti en train de courir dehors dans mon jardin. Non, bref, alors, qui... Marie, ah, putain... Oui, c'est vachement un endroit pour recevoir des gens. Hein. Tu viens dans ma tente? Pardon. Alors, camping merveilleux. Ouais, bah il fait froid, sa mère. Hein. Tu sais pas qu'on est en hiver là, bruti? Il fait super froid dans la tente, y a pas le chauffage. Allez, hop, on va la poser là. Petite lampe. Oh, mais non, mais. Ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Ouais. Ouais, je sais, je sais. Ouais. Arrête, arrête. Je vous passe tout le blabla. Bon, elle était fatigante à parler, hein. C'est bon. On éteint ça, on n'en a pas besoin. Alors, on va poser ça tout de suite. Manuel d'instruction. Ah oui, j'en ai pas besoin du manuel. Ça, c'est le truc que tu revends, t'essayes de revendre. Bon, bah j'ai déjà un bureau pour faire mes vidéos, c'est pas mal, hein. Ah, c'est un bureau, on dirait un bureau d'école, ouais. Enfin, un bureau en sciences physiques, là. Vous connaissez bien. Allez, on y va, hop, c'est parti. Donc, ouais, précisez-moi, dites-moi absolument, est-ce que vous voulez que je mette épisode 1, épisode 2 et tout? Comme je vous dis, c'est pas trop des épisodes, mais c'est pour que tout le monde puisse se retrouver et sache que c'est bien la nouvelle cartouche, parce que c'est facile d'écrire une nouvelle cartouche, mais après c'est plus compliqué pour se retrouver. Oh, il a déjà poussé mon arbre, punaise. En 2 semaines là, il a bien poussé. Didyland, oui, alors Didyland, j'ai appris que c'était un parc d'attractions. Vous avez vu que c'était un. Enfin, j'ai vu que c'était un parc d'attractions, Didyland. Mais bien sûr, je ne le savais pas. Et Didyland, j'ai pris Didyland parce que bah Didymos, quoi. Et du coup j'ai fait Land. Mais si ça vous plaît, bah tant mieux. Oh mon dieu, Méli Mélo va me passer tout son blabla. Non, s'il te plaît, Méli. Putain, j'ai pris une photo. Ouais, c'est ça. Laisse-moi tranquille. Alors, surtout ne m'explique pas comment on fait. Ah, j'ai pas assez d'argent à des bars! Excellent, j'ai pas assez de sous. Oh non, mais je suis trop bête. Oh, j'ai plus l'habitude. C'est horrible. 564 clochettes, c'est un bâtard. Il me l'a pas vendu bien cher, son truc. Hein. Enfin, il me l'a pas acheté bien cher. Allez, je prends. À bientôt. Alors, est-ce que le gâteau, je peux l'avoir? Ah oh, ouais, je peux l'avoir, le gâteau chance. Je vais le prendre. Allez, je le prends. J'ai 2 pièces de jeu. Enfin, 6 pièces de jeu. Autant en profiter. Un message à l'intérieur. Voyons ce qu'il dit. Le héros en quête de rares trésors. Numéro 5. Ah, intéressant. Qu'est-ce que j'ai eu? Bien sûr, le processus du fait que des abonnés viendront va s'installer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais être un peu plus avancé et légèrement un peu plus avancé quand même. Être présentable. C'est-à-dire que j'aimerais que mon perso soit bien coiffé, bien habillé. Attends, il a pas pris mon cahier? Ah mais non, je suis bête! J'ai une prédiction. Punaise! En plus, je l'ai vu, j'ai une prédiction. Ouais, j'ai gagné, youpi. En même temps, c'est pas trop dur de... Pantalon héroïque. Oh bah super, on a un pantalon héroïque. Ouais, c'est bien ce qui me semblait parce que j'avais vu le machin. Alors, portée, comment il est? What? Ouais, je vais le garder, ça, pour l'instant. Oh là là, c'est horrible, j'ai tellement pas d'argent. Ah, il est sympa le pantalon, ça va. Mais ça va pas avec le pull. C'est terrible, faut que je fouille dans toute la ville pour trouver des trucs à vendre. Oh là là, c'est terrible ça. En plus, les fossiles, j'en ai aucun, donc forcément, il va vouloir que... Il va falloir que Thibaut, il va falloir que je lui donne. Ouais, je sais. Oh là là, il va tout me repasser, les dialogues et tout. Oui, tu as vu, ça c'est nouveau et tout. Ouais, je sais. Oh, oui, une pêche parfaite. Génial. Oh yes, la pêche parfaite qu'il nous fallait. Alors les gens, regardez bien.
toutes les personnes qui m'ont dit au fur et à mesure de ces 3 ans, c'est 4 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans, je sais plus, ça fait combien d'années? Je sais même plus, c'est combien d'années que je suis sur cette chaîne, putain, je sais plus. Le fruit parfait, on le trouve comme ça. Voilà, vous en avez un seul dans votre ville, et c'est que comme ça que vous le trouvez. Alors, si vous l'avez mangé ou l'avez vendu, eh bah, tant pis pour vous. Vous pouvez recommencer votre jeu, ou alors si vous avez quelqu'un de bien sympa, un ami, et qui a le même fruit que vous, il peut vous le donner. S'il a la fruit, il a une pêche parfaite, il vous la donne et vous la plantez, c'est bon. Bon, alors on va planter... Oh, je vais faire les bonhommes de neige aussi, faudrait que je le fasse ça. Alors ça, par contre, l'argent, va falloir le faire ça. Ça, c'est ultra important. La petite technique, si vous ne connaissez pas, observez bien. Alors, pour ceux qui sont moins doués, je vous conseille de faire un troisième trou ici, et de taper. Y'a rien, on change de caillou. Petite fleur, je te ramasse... J'ai pas envie de te déchirer. Oh punaise, c'est fait bizarre de dire ça. Ok, y'a rien dedans, à part un vieux cloporte. Un autre caillou, s'il vous plaît, un autre caillou. Ah tiens, bonjour le kangourou. Ouais, ça va, les habitants sont pas trop mal. J'espère que chevreuil machin, là, le chevreuil à côté de moi, il est pas mal. Chevrona, un truc comme ça. Hop, on va céder de l'arbre. Ok, y'a rien là-dedans. Ah, mais c'est une pelle en or qu'il faut. Ah, c'est pas une pelle en or qu'il faut. Ah, ça par contre, ça me pose un lapin. Ok, bon, alors on va planter l'arbre près de chez moi. Alors, je propose de planter cet arbre juste là. Alors, il n'y a pas intérêt qu'il merde. C'est une pêche parfaite, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va la planter là. On en plantera une autre juste à côté. On va les vendre, parce que je vais aller chez Retouche. Je reviens à Retouche, vous avez vu, il m'a vendu le lot, les 6 pêches à 654. C'est rien, 654. Pour 6 pêches, normalement, je suis désolé, ça coûte au moins 1000, hein. Mais il a vendu pour rien. Mes habitants, ils sont un peu... Ils sont bien répartis, ça va, ils sont pas tous entassés les uns sur les autres. Alors, je vous avoue que si j'avais... Je pouvais avoir plusieurs fois le même fossile, ça m'arrangerait un peu. Histoire d'avoir un peu de sous, quoi. Juste le délire d'avoir des sous. Oh mon dieu. Ouh, non. Oh non. Oh, bah bravo. Les abeilles, ça faisait longtemps. Oh, tu as le seum. Bonjour. Oh, je vais parler un peu à mes amis bien. Dalma, je l'aime bien, Dalma. Je me souviens de tout. Ah bah oui, je vais lui reparler. Brut. Ah oui, c'est vrai qu'elle dit brut. Ça fait longtemps que j'ai oublié ça, Dalma. Ah, c'est le fantôme. Fantôme, en direct. Le petit fantôme. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah, yes. Ouais. Le génie. Bon, je te parlerai plus tard, bien sûr. Je vais te prendre avec moi, mais je te parlerai plus tard. Les cosmos, c'est moche, j'ai dit. Ça sert à rien de recommencer. Je suis toujours en train de réfléchir pour les thèmes que je vais faire. Je sais vraiment pas comment aborder ça, qu'est-ce que je vais faire précisément. Allez, dis-moi qu'il y a un truc là-dedans. Oh oui! Ça marche même sans la pelle en or! Mmh. Merci la rivière! Oh oui! Allez! Oui! Oh super! Oh là là, on est refait. Alors là, on est refait. Même me faire une coupe de cheveux. Mais non, je suis con, j'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Les sœurs de esthéticien. Et encore un fossile. Bah disons qu'on a du boulot, hein. Oh, je peux rembourser ma maison. J'ai 16 000. Voilà pourquoi il faut se coller près de la rivière. Parce que si vous arrêtez de taper, et ben, enfin, près de la rivière. Vous ne pas bouger. Parce que si vous bougez, et ben, ça va ralentir et vous aurez pas les bonus. Vous avez entendu les petits comme sur Mario. Et ben voilà. C'est les petits bonus. Donc on va aller vendre vite fait, pardon, les sœurs doivent retouche, revin et retouche, c'est là-bas. Ok, donc ça marche même sans la pelle en or, c'est bon à savoir, ça c'est cool, c'est juste pour se faire de la thune. De toute façon, t'es pété de thunes, Méli et Mélo, là, ils sont pétés de thunes, ces bâtards. Mec, tu leur vends 999 000 un truc, ils vont te l'acheter au calme. Ah, j'ai encore ma tête défoncée, moi. Oui, Risette, dépêche-toi, parce que j'ai pas beaucoup de temps, là, ça fait déjà 15 minutes. Alors, le montage, ça devrait durer dans les 10 minutes, donc ça va, au fait. Ah, 1100, quand même, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Dans la prochaine vidéo, ou peut-être maintenant, non, je vais rembourser ma maison. Comme ça, dans la prochaine vidéo, il y aura ma maison qui sera faite. Donc ça, ce sera bon, ce sera cool. Allez, on y va. Ah, oh, putain, ça fait bizarre d'avoir de la place pour courir et tout. Oui, alors, vas-y, garçon. Allez, 10 000. Ça marche. Bien. Allez, dépêche-toi, là. Ça va bientôt aller faire les 20 minutes. Comme ça, on va voir notre garçon, là-bas. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, mon musée de l'autre côté, d'accord. Ah bah c'est cool, j'ai comme ça, j'ai une ville différente. Ah c'est cool ça, du coup, bah ça me fait une, d'habitude dans mon musée de l'autre côté. Faire examiner mes fossiles. Alors j'en ai tellement des fossiles, garçon, là. Oh, incroyable, je n'ai jamais vu ces fossiles. Ok, c'est tous
ils sont tous différents. Allez, on va tous te les donner, comme ça après j'aurai plus qu'à les vendre quand j'en aurai plein. Ah voilà, ça y est, on a fait, on a remboursé la maison, c'est génial. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous plaire. Moi en tout cas ça me fait un peu la nostalgie, c'est vachement sympa je trouve de recommencer comme ça progressivement, même si on n'a pas d'argent quoi. C'est un peu dommage. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Je précise que je n'accepterai pas les gens qui me donneront 10 millions d'argent dans les abonnés qui viendront. Je ne serai pas d'accord pour qu'ils me donnent des sous. Enfin, genre une quantité astronomique d'argent pour faire la pour continuer. Je pense que je dirais. Si vous faites des dons, ce sera 10 000. Mais alors, vraiment que 10 000, c'est tout. Je voudrais pas plus parce que sinon on gâche tout le plaisir du jeu en fait. Je veux vraiment profiter, je veux pas charbonner la maison, ça sert à rien. Je l'ai déjà fait dans mon autre partie avec les fruits parfaits. Mais voilà quoi, je veux pas trop forcer sur le truc quoi. Bon, bien sûr, si vous pouvez me rapporter des fruits parfaits, ça ferait super. Des fruits. Si par exemple vous avez des poires dans votre ville, vous me ramenez une poire. Vous avez des bananes, vous ramenez des bananes. Si vous avez des pommes, du litchi, tout. Comme ça me ferait super plaisir parce que je les aurais et je pourrais les planter. Et j'aurais. Si vous m'en donnez ne serait-ce qu'un, en fonction des gens qui viendront, ça pourrait être super cool. Ah, les bonhommes de neige, on le fera dans la prochaine vidéo hein, parce que là, c'est la fin. Ce jeu déborde un petit peu même, mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je les numérote ou qu'on laisse tout simplement comme ça. Allez, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !